Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Donc je le rappelle, comme j'en ai parlé dans le début du précédent épisode, cette série est vouée s'arrêter à cet épisode, voire un peu plus tôt, je ne sais pas, je mettrai peut-être tous les épisodes que j'ai tournés en ligne, c'est pas grave. Donc en vue de mettre d'autres séries, tout simplement pour faire tourner un petit peu les jeux de la chaîne, soit The Final Destination, soit Prey. De toute façon, il y aura deux séries qui vont supprimer, je pense que ce sera Ghost Recon, qui n'est pas du tout suivi, pourtant, le jeu, j'y joue avec une version compliquée. Bon, bref, c'est tout un bordel. Mais bon, je peux comprendre aussi que ça ne plaise pas, des jeux de guerre, c'est vrai que j'en ai pas fait des masses sur la chaîne, c'est pas forcément les jeux qui m'intéressent le plus non plus. Mais je trouvais monde ouvert extrêmement intéressant, surtout pour ce jeu, en fait. Enfin bon. C'est une autre question. On va juste allumer les phares. Oula, calmez-vous, je vais juste allumer les phares. Hein. On se calme. Crac, je vais suivre aussi sur ma carte. Plus ou moins. Ok. Donc là, je vais commencer à tourner à droite. En plein sud, c'est ça? Ouais, sud. Ok. Faut que j'arrive dans la zone rouge. Je devrais y être d'ailleurs. Alors, caméra 1, c'est possible. Ah non, je suis toujours dans la forêt à la con. Ok, pourquoi pas. On y va, on progresse. J'aimerais sortir de cette forêt. Et normalement, quand je sortirai de cette forêt, je vais retomber sur une phase de dune ou du normal. Et ensuite, ce qui m'intéresse. Oula. Me préviens surtout pas. Voilà. Donc ça doit être la phase de dune. Oui. C'est littéralement les bonnes bestioles pour la phase de dune. Qui devrait être assez courte, hein, normalement. Ensuite, on devra arriver dans un gracie. Gracie plateau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on va pas s'embêter. Là, normalement, on va regarder là comme ça. Nous sommes dans le gracie plateau. C'est bon, nous y sommes. Ok. On va aller au plus profond. Et normalement, on devrait tomber sur notre gauche, sur un gros trou. Et à côté de ce gros trou, il devrait y avoir un break. Crac. Alors. Est-ce que ça ressemble à un gros trou ? En tout cas, ça ressemble définitivement à un trou en question. Donc ça, c'est bon. Et donc, autour d'ici, il devrait y avoir un break. Je vais laisser le truc ici. On va y aller avec le CMOS. Et on verra bien. Hop, jusqu'à 87 mètres de profondeur. Ah oui, c'est vrai. Donc faut que j'aille... Hop. Voilà. Tu me refais pas ce coup là s'il te plaît, merci. Voilà. J'ai besoin d'aller dans l'accès amélioration. Voilà. Crac. Et crac. 300 mètres, parfait. Et donc normalement dans le coin, il y a... normalement c'est au nord, hein. Non, à l'est. À l'est, légèrement à l'est. Il devrait y avoir un break. Alors à moins que c'est ce trou là. J'opterais peut-être plus pour ce trou là. Ou ce trou là, hein, ça dépend. Hein. Il devrait normalement y avoir un break quelque part ici. Donc je vais regarder les... donc on est à moins 620, 47, 340. Moins 390, 648. Moins 300. Alors 648. Moins 390, pardon. Moins 390, 648. Vous êtes dans cette direction là donc. Bah oui, il est là.
C'est pas un truc que j'ai déjà visité, ça? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Et comme j'ai reset les différents. J'ai peur de l'avoir dans le cucu. Donc, là, il y a un trou. Et ça ressemble étrangement à quelque chose que j'ai déjà vu, déjà fait. Ce qui, je l'admets, m'emmerde assez. Non, apparemment non. Cool, cool, cool. Voyons voir. Ce qu'il y a dans le coin. Apparemment, il n'y a pas grand chose. J'essaie de m'assurer qu'il n'y ait pas de passage. Waouh. Ça, c'est pas un truc qui pue du cul. Ok, on va remonter, on va retourner dans le. Putain, si j'arrive à retrouver la sortie. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Là. Ok. Ensuite, là. De quoi vous donner la GA, chers amis. Voilà, oui, c'est bon. Ok, je respire un grand coup. Et on y retourne. Hop. C'était là. Crac. Là, ça semble barré. Là, ça semble barré aussi. Non, quelque chose ici. Wow! C'est peut-être justement ce que je cherche. Fragment de combi. Caisse de fourniture ce matin. Ah, putain. Canon à propulsion. Je crois pas que ce soit ça que je cherche. Je l'avais déjà. Je prends la bouteille d'eau. Donc ce sera potentiellement pas le bon vrac. Ce qui, je l'admets volontiers, me casse bien les couilles. Ça ne se répare pas. Ok. Fragment de combi, fragment de combi, fragment de combi. Donc là, je vais mourir sûrement dans ce bateau. Parce que je trouve plus l'entrée. Enfin, par où je suis passé. Ce qui me pète bien les couilles, d'ailleurs. Vous savez quoi, on va même faire un... Hop. Warp me. Hop, voilà. Et je suis... Là, d'accord, ok. Maintenant, c'est bon. Je sais que c'est pas l'endroit. On n'a plus qu'à se rendre à l'endroit où on a laissé le Simos. Donc ce n'est pas le bon, pardon, excusez-moi, j'enlève le, hop, voilà, ce n'est pas le bon endroit, ou en tout cas ce n'est pas la bonne entrée. C'est vraiment de, vraiment dommage. Pourtant c'est, vu la taille du truc, je me dis que il va y avoir une autre entrée quelque part, ou un truc comme ça. Ça me semble logique. Apparemment, ce n'est pas le cas, quoique. Apparemment, ce n'est pas une entrée. Ok. Bon, bah tant pis. En tout cas, il y avait du prone là-dedans. Bon, en termes de. Qu'est-ce qu'on a fait ? Moins 630, moins 50. Ou je vais en moins 432. Moins 90, moins 268. C'est là qu'on va. Ok. Pour pire de se prendre des dégâts. Où est-ce qu'est mon... Où est-ce qu'est mon... Où est-ce... Là. Mais bon, il y a un petit peu de route. Hein. Ça, c'est une idée de boire un coup. Crac. Parce que bon, on trouve pas du tout ce qu'on cherche, quoi. C'est casse-couille.
Et je me dis comment les gens ils font sans map quoi, c'est pour le coup c'est. C'est GG hein. Allez ouvre. Merci, crac. On a donc dit moins 432, moins 90, moins 268. Moins 432, 432. Moins 268. On y va, on se dirige vers la bonne direction. En plus, je crois qu'on va tomber genre nez à nez dessus, quoi, pour le coup. Quatre cent trente-deux, ça va être juste devant là. Là. Hop. Et là aussi, ça me rappelle quelque chose qu'on a déjà fait, j'ai l'impression. Ça qui est chiant, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà tout fait dans le jeu. C'est une des raisons pour lesquelles je veux pas continuer l'aventure en fait. C'est que j'ai l'impression d'avoir déjà fait 95% du jeu. Ok, pas de soucis. C'est honnête, c'est honnête, c'est honnête. Alors. Après, il m'en reste encore quelques-unes à. Là, clairement, c'est pas assez gros. Crac, saloperie. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Pourquoi pas? Allons-y. Moins 630, moins 50, moins 6. On peut partir là-dessus aussi. C'est faisable. Oui, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. T'inquiète. Hop. Voilà. Voilà, je pars dans la plus ou moins la bonne direction. Ce qui m'intrigue vu que c'est du côté de la base. Alors on devrait pas tarder à y être. Ah non, c'est pas la bonne direction par là. Par là. Mais ça ressemble exactement à celle dont je viens, non? C'est celle dont je viens, non? C'est pas possible autrement. Est-ce que j'en ai répété deux fois les mêmes trucs? Ça se trouve, c'est possible, hein. Moins 390, moins 120, 648. Celle-là, il me semble aussi qu'on l'a faite. 648. Bon, on se dit que je vais aller 648, c'est pas grave, hein. Moins 320. Alors je vais vers 320, 440, 431. 320, 431. Donc c'est par là, normalement. Vis-à-vis du nord. Hop, on se balade comme ça, on ira voir. Hein.
Mais ouais, je dis GG à ceux qui ont fait le jeu sans... Ah, attendez, je vais juste faire un truc. Sans carte, sans rien, parce que franchement... GG, gros GG. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci. Crac. C'est chiant. Merde, je suis con. Voilà. On va se rajouter un petit peu d'énergie parce que là on est un peu sec en fait. Voilà. On est bien remonté. Ça fait du bruit dans la chambre des dans la salle des machines. Hein. Nous disions donc. Hop. Crac. On va aller un peu plus par là. Pour éviter ça. Alors dans la prochaine mise à jour, il y aura des dégâts possibles sur le. Sur le Simos. Sur le Cyclope, pardon. Tu veux bien Voilà, merci. Merci. Merci, c'est parfait. Merci, voilà. Nous disions. 320, 431. Qu'à dire qu'on est bon. 320, on commence à remonter. Oui, on est à moins 300, donc il reste encore 600 à parcourir. On avait dit 648. Non, 431, pardon. 431. Je vais arriver. Hop. On va commencer à tourner un petit peu par là. Je commence à comprendre comment fonctionner, comment bien m'orienter avec les. Les comment les trucs. C'est vrai que j'y avais pas pensé avant, mais c'est en fait c'est extrêmement simple. C'est orienté vis-à-vis du nord. Nord, est, ouest. Les quatre points cardinaux en fait sont une des coordonnées. Je suis stupide. Je suis absolument stupide. 431, on l'a dépassé. Voilà, là on va l'avoir eu. Je remonte un peu. D'accord. Ça me permet de voir où je suis à peu près. Voilà. Et on avait dit en premier, c'était 320. 320. On n'a plus qu'à aller vers 320 dans cette direction-là en fait. Plein est. 320 mètres. Crac. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de jouer à Prey. Même les deux jeux sont un petit peu creepy. Hein. Ils sont... Il y en a un, c'est de le. Bah, Prey, apparemment, ce serait de l'horreur. Hein. Je demande à voir. Parce que c'est de l'horreur un petit peu à la. À la. Comment. À la. Moi, en fait, ce que je vois dans Prey, c'est le nouveau BioShock. Et je suis curieux de voir parce que j'en entends pas parler autour de moi de Prey et ni au niveau de le rapprochement à BioShock. Mais dès que j'en parle à quelqu'un, moi, mon meilleur ami par exemple, quand j'en parle, je lui dis c'est le prochain BioShock, c'est le nouveau BioShock. 300, on a dit 320, on devrait y être. C'est à 90 de profondeur, c'est ça? Non, 66. On descend. Wouh! Trouvé! Ok. Ok. Bon, on y va. Crac. Oh, ça me dit rien, c'est marrant. Pourtant, les pots devraient me parler. Ok, les portes. Pousse! Oula, ça a l'air intéressant dans le coin, ça me dit rien pourtant. C'est rigolo ça. Par contre, c'est buggé de chez buggé, j'ai l'impression. Ah non, c'est un demi-pot. D'accord, ok. Ok, j'en suis ressorti, ce qui me fait royalement chier. Drôle de bruit. C'est pas saoulant du tout comme bruit en plus, c'est génial. Ok, oxygène. J'ai l'impression que le jeu me dit qu'il y a un immense danger. Par contre, regardez un truc, c'est que je nage plus vite. Je nage pas plus vite avec ça en fait. C'est quoi ce bordel?
Ok, ça c'était pas prévu non plus. Il peut pas ne rien y avoir là-dedans, c'est pas possible. Pas encore. Bon, on va aller là alors, tant pis. On va bien voir. J'ai peur que ça me renvoie vers un truc que je suis déjà allé. Ce qui m'emmerde. Ce qui m'emmerde, ce qui m'emmerde, ce qui m'emmerde. Ok. Finalement non, peut-être pas. Mais ça me rappelle vaguement quelque chose. Surtout ça en fait. Et le fait d'être ralenti à mort me rappelle quelque chose aussi. Je vais pas à la vitesse normale en fait là, chers amis. Regardez. Je vais vous montrer. Hop. En tout cas, je vais essayer. Là, je vais à la vitesse normale. Allez, hop, vous avez vu, j'ai ralenti. Il y a eu un moment où j'ai eu une accélération, puis hop, j'ai ralenti aussi sec. Oh oh, ça me dit vaguement quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose. Je vais pas sortir par là. Ici, il doit y avoir moyen de passer, non? Non, même pas. Ça mène encore une fois à rien. Ce serait un peu naze. Ok. De l'eau. Merci. De l'eau toujours. Merci. Crac. Ouais, bah écoute, ouais, je remonte. Pas de soucis. Je suis assez vexé. Et je suis très très lent, hein. Donc ça me rappelle carrément quelque chose. Ouais, ouais. Ok. Je vais juste revenir, chers amis, dans un instant. A tout de suite. Oh, chers amis, donc, j'ai trouvé autre chose. J'ai cherché. Et maintenant, j'ai trouvé. On va pas chercher dans tous les trucs comme ça au pif. J'ai trouvé les coordonnées de ce que je cherche. Donc, les coordonnées sont les suivantes. Moins 284 850 à 250 mètres de profondeur. Là, je regrette presque de pas avoir pris le prone. Nous disions donc, moins 250, donc ça va falloir partir par là, et par là. Ok, on est bon. C'est parti. Hop, une fois qu'on y sera, on avisera. Et là, c'est certain, s'ils ne sont pas, je rage. Honnêtement, je rage. C'est la dernière fois que je cherche, là, pour le coup. Moins 250, moins 850. Enfin, moins 284, moins 850, pardon. Ouh! Allez, on monte. C'est vraiment pour le dernier objectif de... cette série, entre guillemets, pour le moment. Je sais, ça sera comme Astroneer, sans doute, j'y reviendrai à un moment donné. Hein. Là, j'attends des nouvelles aussi de la mise à jour de Starbound, qui ne vient pas. J'en ai parlé avec mon meilleur ami aussi, encore une fois, et... Je trouve ça un peu dégueulasse que pendant tout le développement, on avait des devblogs tous les jours ou tous les deux jours, et que d'un seul coup, bah, on n'ait plus rien, quoi. Enfin bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. Dans quelle direction je vais là? D'accord. Pourquoi pas? J'ai touché! Plutôt passer par là. Moins 284, moins 850.
Ou je touche. Ou j'ai calé. Non, je bouge encore. Je ne bouge plus. Je bouge tout doucement, apparemment. Je ne bouge plus. Donc, ça ne sert à rien d'aller par là. Ouais, ouais, je m'en occupe. T'inquiète, 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 t'inquiète. Regarde, 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 regarde. Je vais boire un coup très très vite. Regarde, regarde, regarde. Hop. Oh, stabilized. Je passe là ou pas? Je passe. Ok, cool. Je passe, tout est relatif. Tu viens me lâcher, s'il te plaît, merci. Salaud. Pourriture de rebelle, c'est bon. Ok, par contre, il est resté bloqué dans le... Oula. Oh là 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 là. Allez! Mais sors-toi de cette mélasse, mou du gland. Allez. Remonte. Surface, tout ça, c'est bien, bonne fifille. Ok, moins 280, moins 850. On va dans la bonne direction, chers amis, je pense. Moins 850, pardon. Je dis de la merde, je le sais que c'est de la merde, mais enfin, je sais où est-ce que je vais, mais je dis de la merde quand je le dis. C'est débile. Ok, je pense qu'on est même à la bonne, vraiment dans le bon angle. Et d'après ce que j'ai compris, c'est assez chaud de trouver l'entrée. C'est pas qu'un trou, vous pouvez écarter et rentrer apparemment, c'est plus compliqué. Donc c'est moins dans les gènes humains pour trouver apparemment. Alors je voulais baisser un peu en termes de profondeur, mais je vais me raviser, c'est pas grave. Alors je serais passé à côté, putain 250. Donc si je vais par là... Ok, essaye de me caler plus ou moins. Alors faut descendre hein, aussi. Oula. Wouh, je l'ai trouvé. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de bestioles, cela dit. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Est-ce que je peux le réparer de là au fait? Complètement pleinement chargé, mais est-ce que je peux le réparer? Apparemment non. Je vais en profiter d'être ici pour le réparer. On va être tellement profond, ça va être casse-couille. C'est pas le bon? C'est bon. Je vais prendre de la bouffe. Merci. Enfin, je vais manger surtout. Manger, boire un coup et on y va. On y est, je peux enlever ça. Ok. Et on est parti. Crac. Allons-y. T'es là. Ah oui, putain, c'est... C'est con quand ça arrive, ça t'est vraiment coincé dans le trou où il faut pas aller normalement, quoi, c'est... C'est débile. Oh, bah c'est pas si compliqué. Je me suis dit, bon, où est-ce que j'irai planquer un truc? Et finalement... Ah non. Ah si, c'est bon. Par contre, ouais, il faut que je consomme beaucoup d'oxygène. Je consomme beaucoup d'oxygène. Vous voyez, je suis déjà à plus de la moitié, pratiquement la moitié de mon truc qui est consommé. Donc une fois qu'on aura fait le trou, on retourne chercher de l'oxygène. Vous connaissez le principe. Ah bon, déjà. Oula. Limite. Limite, limite. Putain, mais j'ai déjà consommé autant, quoi. Ah non, c'est parce que j'avais pas chargé à fond, c'est pas possible. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de me masturber, le jeu, là?
Putain, du coup, ça me refait, je refais pareil que tout à l'heure. Ok, vas-y, avance, 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 avance. What? Ah oui, c'est le bout de la porte. Ok, deuxième scellé. On y va. Rappelons que je consomme énormément d'oxygène dû à la profondeur. Et il va pas falloir que ça me pète les couilles, sinon je vais faire des, des commandes console. Allez. Putain, j'ai encore un doute sur le fait que ce soit là, moi perso. Ouais. J'arrive. Si encore ce truc accélérait comme il se devait d'accélérer, ce serait cool. Cela dit, ce machin me rappelle vaguement quelque chose aussi. C'est quoi ça? Salle de scanner. Je prends, je sais pas ce que c'est. Il y en a trois apparemment à prendre. La porte là, elle s'ouvre ou bien? Non, elle s'ouvre pas. Ok, donc je ressors. Putain. Tu fous pas le stress du tout, je te rassure. Crac. Ah putain. Wouh. C'est compliqué. Certains me diraient, c'est parce que tu veux que ce soit compliqué, Marcus. Ce qui est sans doute vrai. Ok, j'ai pas fait ça pour rien du tout. N'inquiétez pas, j'ai vu la porte. Vous inquiétez donc pas. Putain, y a un truc ici. Fragment de salle de scanner, c'est pas ce qui m'intéresse, cela dit. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre dans le coin, mais apparemment non. Oxygène. Fou. On y retourne. Allez, putain, mais... Oui, je sais, vous allez me dire, mais tu perds déjà 10% d'oxygène, Marcus, ici, t'es nul. Et je peux pas dire le contraire. Waouh. Ça ressemble pas à être le bon truc encore. Bras foreux, si c'est le bon, putain, j'en ai qu'un? Vous êtes sérieux? Vous pouvez pas être sérieux, vous pouvez pas m'en avoir donné qu'un seul. Oh la gueule! Putain, je me perds! Et fais chier. Fais chier. Fais chier. Fais chier, jeu de merde! Eh non. Ouah. Ah! De toute façon, il n'y en avait qu'un! C'est nul! C'est nul! Je me suis encore fait niquer! Bon. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir laissé. C'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour. Oui, je sais, j'aurais pu construire ça. Vous inquiétez pas, j'y pense. Hein. C'est. Ça. Mais bon. C'est pas grave. Bon. Salut les gens! Et à plus pour d'autres aventures, peut-être potentiellement dans une autre série. Voilà. Salut!